et entrer dans Top, cet escargot. C'est parti, allez, super. Bah, bon, bah, voilà. Bah, voilà. Gonnet, Geoff. Ah, Geoff, Geoff. Et il a fait une petite intérieur, erreur. Intérieur. Qui va sortir, Geoff ou Malouane Moine, Pierre Moine, Pierre Moine qui rentre. C'est allez, Pierre Moine, allez. Non c'est Moine, ouais. C'est Moine, c'est Moine. Oh, magnifique, hein. Ouais, ouais. Allez, Pierre Moine, deuxième. Oh, 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 comme ça repasse là derrière. Bah oui, mais ah, par contre, il s'est fait coincer à l'extérieur. Bah oui, il s'est fait coincer dedans. Ouais. Et Romain Geoffre en a profité pour repasser. Donc on a Vivien Gonnet, Romain Geoffre, Pierre Moine. Et je ne suis pas sûr que ce soit Kevin Malige qui soit reparti derrière en quatrième. On va voir il ça. Il me semble, 63, alors, 52. Pierre Moine, 3, 4, Duvers. Ah ben c'est 4, c'est Duvers. Et non, il est où Malige? C'est Duvers, j'ai plus vu Malige. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, il n'est plus là, Kevin. Alors, deuxième, c'est Pierre Moine. Attends, on va voir tout de suite. Alors ça y est, Gonnet, il est parti. Il a déjà 5 longueurs d'avance. Allez, Vivien Gonnet, 47-0 dans le premier tour. Ah oui, il est là, Geoff, Malige. Moine, Duvers, Roche, Malige. Il est 7. Nigon, Coton, ouais. Van Chang, Mangarny, Brancy, Reynaud, Véronèse, Goguet, De La Vega, Pidou, Maïk, Martinez, Robin et le jeune Mangarny avec la petite 250 qui ferme la marche pour l'instant. Oula, super, Noël Duvers qui remonte sur Pierre Moine. Et cette TM de Noël Duvers, elle a une santé aussi. Hugo Roche, encore 5. Hein. Ah ouais, Hugo Roche, mais... bien. Hein. Ah, j'ai pas le temps de saluer son papa, mais bon. Ouais. Kevin Malige, Nigon. Alors, je vous rappelle quand même que Noël Duvers, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Stade de France Noël Duvers, vous verrez ce qu'il avait fait du côté du Stade de France. Mais t'étais là d'ailleurs, Thierry, ce tour-là. Ouais. Il avait fait tout l'extérieur au Stade de France. Il s'était appuyé contre le bandeau en béton. Il avait doublé tout le monde. Il avait mis les 40 000 spectateurs debout dans le stade. C'était impressionnant. Allez, 76-48. Kevin Malige qui passe. Alors, si je vous dis que Vivien Gonnet a le record du tour en 47-0, je pense que vous allez me croire. Ouais, bah oui, normal. Hein. Voilà, et Vivien Gonnet, bah, toujours caracole en tête. Alors, derrière, il y a une petite bagarre là, côté de Malige, Nigon, Coton, Van Chang. Hugo Roche, ouais, c'est ça. Nigon, c'est ça. Coton. Là, ça se bagarre pas mal. Ouais. Van Chang, Brancy. Alors qu'on n'a pas mis les pneus là. Hein. Jonathan Garnier, ils les ont enlevés. Ah, d'accord. Ouais, c'est Franck Lagorce qui est venu nous dire qu'ils ont enlevé tout. D'accord. Bon, c'est parfait. Bah, c'est, ça change la trajectoire. Ben, voilà, exactement. C'est plus facile à doubler et tout. Ouais. Par contre, lui là pour le doubler. Ouais, bon, bah, lui, ça se passe pas mal. Alors, il y a 4 secondes, non exactement, Thierry. 4 secondes, une très précisément. Oh là là. 5 secondes 8 sur Moine, 7-9 sur Duvers, 9-3 sur Malige. C'est-à-dire que le 10e va être à presque 20 secondes. Ça je vais vous le confirmer. Non, le 10e, il a 15 secondes. C'est incroyable ce qu'est en train de faire une nouvelle fois Vivien Gonnet. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce qu'il y a toute l'équipe. Hein. Il y a toute l'équipe Roland Moto qui est derrière. Mais ils ont trouvé quoi? Ah bah Philippe Roland, ouais, il connaît un peu. Ouais. Tu nous diras tout quand tu auras essayé la moto. Oui, voilà. Ouais, je vais avoir l'honneur d'essayer ça samedi dans 15 jours. Ça te coûte cher, Oui, mais je paye cher. C'est de fou. Hein. Ah, mais il faut surtout pas que je l'abîme. Ah, mais oui, là, t'as pas intérêt. Ça va aller. Bon. Non. Allez, Vivien. Allez, une nouvelle fois. Bah ouais, alors 46-7, le record du tour. À chaque tour, pratiquement, il arrive à battre le record du tour. Donc, lui, il est sur une autre planète. Ouais. Et Romain Geoff, quand même, qui est deuxième avec numéro 63. Ouais. C'est un ancien pilote officiel GasGas qui a fait le championnat du monde d'enduro et autres. Hein. Ouais. C'est un sacré pilote qui est derrière Vivien Gonnet. Hein. Carrément, oui. C'est pas. Franchement, là, on a le pilote de course sur glace. Je vous le disais ce matin, lorsqu'il y avait le championnat de France de course sur glace, il a remporté 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus. Ouais. Donc, il connaît parfaitement la surface. Il habite à Serre-Chevalier. Bon, peut-être qu'il peut s'entraîner un petit peu plus facilement que les copains, je ne sais pas. Mais il y a plus de circuit. Ils en faisaient dans la montagne. Ouais, dans la montagne, ils allaient en faire. Allez, il est où? Il arrive, oh là là, dans la descente, la compression. Là-bas, c'est impressionnant. Et le voilà. Le voilà qui va boucler son 5e tour, il va rentrer dans le dernier tour. Et puis alors, quand on le voit, on a l'impression qu'il est sur la route, que c'est facile. Ah bah là, il y a 5 secondes. Ah ouais, bah oui. Pas bien plus, 5 secondes 4, Thierry. Impressionnant, ouais. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Derrière, Romain Geoff, donc toujours deuxième. Pierre Moine, à 10 secondes. Noël Duvers, quatrième. Kevin Malige, 5. C'est chaud, là. Il y a un petit groupe, là. Malige, Duvers. Roche. Nigon, Roche. Ouais, c'est bien. Hein, c'est bien ce qu'il fait, Hugo Roche. Ouais, encore une super sixième. Course, hein. Allez, Hugo. Ah, il vient de se faire passer par Nigon. Allez, on lâche pas. Non, mais il va pas lâcher, t'inquiète. Allez, il va repasser à l'intérieur. N'oublie pas que ton père a été finisher de la Gilles Lallée, hein, donc il faut rien lâcher. Allez, et il est là, vainqueur. Voilà, de toute façon... Allez, on peut l'applaudir. Et voilà, il va terminer sur la roue arrière. Et Vivien Gonnet, et une de plus. Allez, ça doit faire 17 ou 18. Ouais, je sais plus. Voilà, Vivien Gonnet qui en termine. Allez, on va attendre un petit peu, on va boire un café. Super, et voilà le deuxième. Voilà, troisième, Pierre Moine.
Pierre-Moine, ouais, Pierre-Moine ouais. Hein, quand même. On a les trois premiers du trophée. On les laisse terminer. Oui, oui. Manige, super. Ils viennent juste à côté de moi. Il en reste un, Thierry. Non, je sais, on les laisse finir. Hein. Super. Bon, ben après. Coton, Brancy, après. Pas d'image, mais du son. Chant, super course. Voilà, on va les laisser passer. Oui. Et puis c'est bien parce que dans l'esprit, les gars, ils se congratulent les uns les autres et ça, c'est top niveau. Alors,